Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec qui? Fifi. Aujourd'hui, alors, vous savez que je fais les unboxings maintenant le mercredi et le samedi. Mais là, c'est pas un unboxing, c'est un haul. Donc, vous avez droit à un haul Diamond Painting ce dimanche. Voilà. Pourquoi un haul? Bah parce que aujourd'hui on a été sur le marché à Boussu en Belgique, voir notre vendeur préféré, voilà. Et Chouchou avait choisi, déjà par le biais de leur page Facebook, avait choisi deux kits, donc qui nous ont gentiment mis de côté, comme à chaque fois que l'on demande de nous réserver des kits. Et on a été les chercher ce matin sous le froid. Faisait moins un. C'était gla 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 gla. Il n'y avait pas beaucoup de vendeurs sur le marché, pas beaucoup de courageux. Enfin bon, je dis ça, mais je comprends, hein, vu la froidure. Par contre, bon, eux étaient là. Grand courage à eux. Voilà, c'est monsieur et madame, c'est le couple. Hein. Donc ils ont toujours beaucoup de modèles de diamond painting de tailles différentes et à un prix un super prix, voilà. Donc eux c'est une boutique belge, voilà, ils font les marchés en Belgique et ils ont également un site internet donc qui s'appelle Funmania. Et leur page Facebook également s'appelle Funmania. De toute façon, je vous remettrai tous les liens où vous pouvez les retrouver sur Internet. Et attends, mon bébé, hop. Et commander, si ça vous intéresse, de commander des kits chez eux. Ils sont vraiment de superbe qualité et en plus, ils sont pas chers. Donc, deux choses très importantes pour vous faire acheter. Alors, Chouchou donc a choisi deux kits. Moi, j'en ai pas pris pour moi aujourd'hui. Ben, moi, j'ai encore de la réserve. Vous savez, bon, je diamonne pas beaucoup entre le tricot, la broderie. J'essaye de mettre ça entre deux. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ce sont des grands. Donc, il y en a un qui fait 50 sur 60. Et l'autre fait 50 sur 65. Voilà. Bon, on va regarder si c'est des tailles réelles ou pas en mesurant après. Je vais ranger Fifi pour qu'elle me laisse vous montrer les kits sur le bureau. Donc, les voici. Hop. Donc, c'est toujours dans des boîtes cristal, des boîtes plastiques transparentes, très solides. Et ben, je vais ranger Fifi et puis on se fait ça face bureau. Allez, à tout de suite. Alors voilà le premier, je l'ai déjà enlevé de sa boîte, comme ça, ça fait moins de bruit. Je vous montre déjà son dessin, voilà, des perroquets dans la nature. Très très beau. Alors, voilà. Donc 50 cm, 50 cm, 50 sur 60 cm. Et c'est des full drill, c'est-à-dire perles rondes. Alors, vous allez retrouver dans le kit le petit toolkit, hein, voilà, comme d'habitude. Des perles rondes. En sachet zippé. Alors normalement 56 DP. Oui, vous retrouvez la référence. Voilà, ici 56 DP 1192, c'est la référence du kit. Donc pour celle qui la team qui range les kits à plat et range leurs perles à part, il n'y a pas de souci, les références sont sur les perles. Voilà. Je vais vous les montrer plus en détail, bien sûr. Voilà, voyez. On va commencer par le kit, comme il est un peu déballé. Fifi,
Bouge tes petites fesses. Allez, hop. Alors, je crois que je vais prendre mon téléphone à la main pour vous montrer le kit. Voilà. Avec des jolis perroquets. C'est pas des rivières, hein, ça. C'est parce que c'est le papier. Et ces papiers-là, de toute façon, plissent toujours un peu. Alors, ici en bas, vous allez retrouver des explications comment vous devez faire, hein, le DP. Ici, c'est expliqué aussi, mais en anglais. Là, vous retrouvez le dessin du kit en haut à droite avec les numéros qu'il y a sur les sachets, les symboles que vous allez retrouver sur le kit. Donc, cette marque-là, le 1, c'est toujours un pi. Voilà. Après, vous avez des chiffres. Des lettres majuscules, voilà, et on a 27 couleurs, et là, ce sont les références DMC. On a le 939, et on a pas le 310, non. Voilà, il n'y a pas de noir. Et vous retrouvez également, en haut à gauche, les mêmes références et la même photo. Ici, vous avez la référence du kit. Voilà, 56 DP 1192 et sa taille 50-60. Alors, on va regarder déjà, je vous repose, voilà, si c'est une taille réelle ou si c'est pas réel, voilà. Alors, on est... Là, c'est pas une taille réelle, donc là on est à un petit 42 et en hauteur, donc là c'est 40. Hop, bon, excusez-moi, j'ai fait tomber. Oh, et 42, 52, voilà. Donc, 50-40, c'est la toile complète. Voyez, c'est juste le plastique qui est... Alors, je vais vous montrer l'impression. Voyez, c'est vraiment nickel, nickel, nickel. Que ce soit en blanc ou en noir, c'est très, très bien imprimé. De toute façon, ces kits sont toujours d'excellente qualité, hein. Et ça colle très bien. Voilà. Hop. Profitez pour bien le remettre. Oh là là, Edith, tu fais tout tomber. Bon, j'ai pas ma raclette, alors ça va pas bien. Ça y est, on va le remettre comme ça. Hop, hop, hop. C'est pas très grave. Voilà. Mais ici en haut, pareil, hein, la pression est très très bonne. Vous voyez. Bon, là, ça reflète parce qu'il y a le plastique. Hein. Je ne voulais pas enlever, mais voilà. Vous voyez. C'est vraiment super clair. Il n'y a aucun souci. Alors, maintenant, les perles. On va mettre ça sur le côté. Et les perles. Oh, je crois que j'ai un sachet qui... Ah non, non, je croyais que j'avais un sachet d'ouvert. Ça peut arriver, hein, ça, c'est pas très grave. Hein. Alors, on avait dit qu'on avait combien de couleurs? Je ne m'en rappelle plus. 27. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, les couleurs. Jolie rose. Un vert pomme.
Là, il y en a deux. Il est joli celui-là. Voilà. Mais c'est pas fini. Vous voyez la propreté des perles, hein, y a vraiment rien à redire. Elles sont toutes bien régulières, propres, pas de poussière. Voilà. Parti. Et alors, vous le voyez un peu turquoise, mais c'est vert. Hein. Voilà. Donc, voilà pour les perles. Alors, son prix sur le marché. Alors, sur le site internet, c'est pour ainsi dire le même prix. Hein. C'est parce que sur le marché, il arrondit ses prix pour éviter de rendre des centimes. Je suis en train de chercher dans quel sens je les ai. Voilà, comme ça. Là, sur le marché, c'est 12 euros. Et sur le site, je pense que ça doit être 11,99. Voilà. Mais sur le marché, il arrondit ses prix parce que sinon, il ne s'en sortirait pas avec la monnaie. C'est tout à fait normal. Et puis, de toute façon, il y a le déplacement. Hein. Voilà. On ne fait rien pour rien. Allez, je finis de ranger celui-là et je vous montre le deuxième. Le deuxième d'épée que Chouchou a choisi, le voici. De joli pan. Magnifique. Alors, c'est un 50-65, voilà. Là, derrière, je n'ai pas montré sur l'autre, mais vous avez ça à chaque fois. Les explications en images pour vous montrer comment on doit faire. Voilà. Et il y a, vous voyez, alors c'est marqué qu'il ne faut pas donner ça aux enfants de moins de 3 ans. Bon, c'est vrai que moins de 3 ans, de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils puissent le faire. Mais, voilà. Et quand si un enfant le fait, il faut toujours le faire avec un adulte. Voilà. Et ce n'est pas toxique. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Alors, on va avoir un petit toolkit. Dans celui-là, il y a des petits sachets en plus pour remettre les perles s'il nous en reste. On a notre chapelet de perles. Et on a, alors combien de couleurs? On a 26 couleurs. Allez, je vous montre d'abord le kit. Je fais à l'envers en ce moment, aujourd'hui. Voilà, mais comme il est grand aussi. Alors, on a la référence là du kit et je pense qu'on va les retrouver. Oui, vous allez retrouver la référence du kit. Hop, ça floute. Attendez. Ah, voilà. Ici, la référence du kit sur les sachets. On a 26 couleurs. Là, vous allez retrouver la photo du dessin que vous devez faire. Il est bien net, là, on le voit bien. Mais je vais regarder pour retrouver les photos sur le site. Hein, j'essaierai de vous les mettre. On va retrouver les références et les symboles. Alors, hop, il est tellement grand que... Voilà. Sur le... En haut à gauche, je vais y arriver, excusez-moi. Le premier, c'est le 310, vous voyez, c'est le noir. Les numéros sur les sachets, ça va être comme ça. A01, 02, etc. Et là, ce sont les symboles que vous avez sur votre toile. Donc, il y a des chiffres, des lettres majuscules, des lettres en minuscules. Il n'y a pas de symbole, non, non. Que des lettres majuscules, des chiffres et des minuscules. Alors, je vais vous montrer, en prenant le téléphone à la main, la toile. Hop. Désolée pour le mal de mer.
Mais elle est grande, donc pour vous la montrer un peu plus en détail. Vraiment très très propre. Hein. C'est, je veux dire, il n'y a pas de plis, il n'y a rien. C'est vraiment d'excellente qualité. Voilà, donc c'est une 50-65. On va mesurer pour voir la taille réelle. Oups là. Alors, bah 40. Et dans ce sens-là, on a 40. Je pense que ça fait 50. 40, 40, 55. Voilà. C'est un 40 sur 55. Alors, niveau impression, bah, de toute façon, il n'y aura pas de souci. Hein, ça va être comme d'habitude. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Vraiment très très bien. Et niveau colle, ça colle. Donc comme je vous avais dit, vous retrouvez la référence du kit ici. Hein. Voilà. Et ça, vous le retrouvez sur les sachets de perles. Alors, pour les perles, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Là, c'est le noir. Oui, joli celui-là. Les paquets bien remplis, hein. Ah, là, il y en a une petite qui s'est perdue. C'est pas grave, ça arrive. Comme je vous ai déjà dit, des fois ça saute, hein, dans les machines. Je pense que là où ils fabriquent les sachets de perles, il doit y avoir des milliers de perles par terre, un peu partout. Parce que ça doit sauter partout, ces petites bêtes-là. Ah non, je croyais que c'était des AB. J'avais l'impression, mais non. Voilà. Vous avez vu toutes les perles. Allez, je vais ranger ça. Alors voilà ce que je vous ai présenté. J'ai oublié de vous dire le prix de celui-là, mais c'est exactement le même. Sur le marché, il est à 12 euros. Voilà. Voilà ce que je vous ai présenté. Celui avec les perroquets et celui avec les paons. Un spécial oiseau aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit haul vous aura plu, vous donnera peut-être envie d'acheter ces kits. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Fondmania. Je vous remets en barre d'infos le lien du kit, des kits et le lien de la boutique. Donc, c'est une boîte belge, mais bon, ils livrent en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Italie et Espagne, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Et si vous habitez la Belgique, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook pour savoir sur quel marché ils vont pour vendre directement leur kit. Je vous montre en même temps un achat qu'on avait fait chez eux déjà il y a un petit moment. Voilà. Cette petite lampe, vous pouvez la retrouver également sur le site internet. Donc, c'est une lampe qui font, vous voyez, là, la prise est là. C'est une lampe qui fonctionne sans la prise, elle se recharge. Voilà.
Donc, je vous mets également le lien de cet article, de cette lampe. Donc, c'est pratique parce que, ben, au moins, vous pouvez aller la balader n'importe où. Une fois qu'elle est chargée, vous pouvez vous en servir partout. Voilà. Que vous fassiez de la broderie ou que vous fassiez du diamond painting, elle vous sera très utile. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si j'y pense, j'essaierai de vous remettre les liens des autres vidéos que j'ai fait pour Funmania, où je vous présentais des articles. Alors, peut-être que certains ne sont plus sur le site, hein, ça se peut, hein, mais il y a toujours, toujours, toujours des nouveautés dans cette boutique, donc et toujours à des prix vraiment nickel. Hein, je vous dis, là, c'est 12 euros, il y en a 8 euros, il y en a 10 euros, voilà. Donc, n'hésitez pas, il y a des accessoires, n'hésitez pas à aller voir. Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Bon, là, il y a Fifi qui veut se faire voir, hein, n'est-ce pas? Allez, je vous fais à tous des gros bisous et je remercie encore beaucoup ce couple courageux qui font les marchés à des températures pas possibles en ce moment. Donc, je les remercie encore beaucoup tous les deux et n'hésitez pas à aller les découvrir sur leur page Facebook et sur leur boutique. Je vous fais à tous de gros bisous avec ma Fifi, voilà. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.